Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez tous très très bien en ce dimanche pour une nouvelle vidéo sur ma ferme périgourdine. Au programme de cette vidéo, vous allez voir de la livraison de matériel. Et oui les gars, vous allez découvrir tout ça un petit peu en intro avec pas mal de cinématiques, de la livraison de lait, du broyage de jachère, enfin bref, pas mal de choses intéressantes pour vous et pour moi. Et je vous dis à tout de suite après les petites scènes d'intro.
donc les amis, on se retrouve ici à la ferme. Vous avez vu quelques petits accélérés de ce que j'ai pu faire moi en off. Donc on est dans la troisième partie de mai, ça y est, vous l'aurez compris, la moissonneuse est enfin arrivée sur la ferme. On va aller la découvrir tout de suite. Je pense que pour la plupart, vous l'aurez compris, c'était la moissonneuse qui était au concessionnaire depuis le début. Donc une Lexion 5300, une petite machine. Donc voilà, on découvrira la barre de coupe plus tard à la moisson, puisque vous savez que certainement en juin, on va attaquer la moisson des orges. Pendant qu'on est sur le matériel, donc vous allez voir que donc j'avais signé pour plusieurs matériels. Donc ça c'était signé la balayeuse depuis un petit moment. Elle est arrivée il n'y a pas très longtemps à la concession, donc ils en ont profité pour me l'emmener. Et dernièrement, vous voyez que c'est pour ça aussi que mon budget a baissé, puisque j'ai acheté mi-mai. Un broyeur grande largeur, un peu plus grand que celui que j'ai, le qui va derrière le vieux Tagazu, vous l'aurez compris. Donc un broyeur Robert, je l'ai payé de mémoire 17 500, mais avec la vente de lait que vous avez pu voir aussi en début de vidéo, on a remonté un petit peu les finances, donc on est repassé à 111 199. Et pendant qu'on parle du budget, voilà, dans le dernier live, le live de mercredi, de mardi plutôt, on a parlé beaucoup du budget pour les réparations. Rappelez-vous, j'ai fait la révision du 720 et ça m'a coûté une blinde aux alentours des 20 000 euros. Donc je vous avais posé la question pendant le live et... merci à ceux qui ont participé aussi pour la rediffusion pour me dire que finalement c'était beaucoup trop élevé, 20 000 euros toutes les 10 heures, c'était vraiment très trop élevé. Donc pour que ça soit cohérent malgré tout avec Farming Simulator, je me suis dit que voilà, au niveau des réparations, on ne payerait que 10% du prix affiché. Donc de mémoire, si je me rappelle bien, je vais vous dire ça tout de suite. Il y en avait pour 19 986, si je me rappelle bien, 19 986, tac. Alors on va faire 19 986 divisé, enfin multiplié par 0,10, et ce qui nous donnerait en fait à payer 1998 euros. Donc, on va faire 19 986 1998 qui nous ferait qu'on devrait se rembourser. Alors 19 986, je vais y arriver. Donc 1998, puisqu'on paierait la révision pour le Fendt 1998, qui ferait qu'on devrait se rembourser. Je vais pas y arriver les gars, je vous fais un petit cut et je vous redonne le prix. A few moments later. Donc ce qui nous ferait à nous rembourser 17 988 euros. Donc ce qu'on va faire, hop, on va se rajouter le montant de 17 988, hop, j'ai oublié un chiffre, 17 988. Et voilà, donc vous voyez que je me suis rajouté du coup une partie de l'entretien, puisque c'était vraiment trop élevé et on était tous d'accord là-dessus, on pouvait pas payer aussi cher pour une révision toutes les 10 heures. Allez les gars, donc ce qu'on va faire, comme le camion est assez pressé, vous voyez qu'on va avoir du matériel à décharger. Donc ce que je vais faire, je vais déjà commencer par décharger la moissonneuse batteuse avec la petite animation qui est super sympa, qui est super cool. Allez, on rentre dedans et tout, franchement ça fait plaisir. Et on va mettre pour la première fois de la série la machine en route. On va aller la stationner, puisque bien sûr on fera la mise en route avec le concessionnaire au moment de la moisson, puisque voilà, là c'est tout bon, déjà elle va être déchargée, donc ça c'est impeccable. Faut que j'y trouve une place.
Alors ce que je vais faire, je vais l'emmener de l'autre côté. Je pense que je vais peut-être lui trouver une petite place par là. Donc une belle machine, vous voyez qu'elle est quand même d'occasion. Voilà, enfin c'est la machine de démonstration que j'ai achetée à la concession, donc elle a déjà pratiquement 4 heures. Mais voilà, pour le budget que j'avais pour l'installation, c'était ce qu'il me fallait. Donc le cueilleur à main du IS avait déjà été livré, ainsi que la barre de coupe. Et il l'a gardé un tout petit peu en exposition jusqu'à présent, parce qu'il fallait qu'il fasse 2-3 révisions. Mais voilà, donc la machine est arrivée en tous les cas sur la ferme. Donc ça, ça fait plaisir. Donc une belle machine, donc j'ai hâte franchement de l'utiliser. On verra ce que ça donne à la moisson, mais pour l'instant, je suis assez content de tout ça. Allez, donc ce qu'on va faire, on va prendre le 720, les gars. On va monter dedans, donc ça va être un épisode peut-être un peu plus court que d'habitude. Un épisode où on va faire un peu du déchargement de matériel. On va aller commencer à broyer les jachères, puisque rappelez-vous, au niveau des jachères, on a une réglementation. On ne peut pas broyer les jachères juin et juillet. Donc du coup, c'est pour ça que je voudrais aller le faire dès maintenant. Comme ça, au moins, je serai tranquille. Ce que je vais faire comme mon petit tracteur, mon 411, je vais prendre le 411 après les gars pour les broyer. Mais là, comme il n'est pas disponible et que le livreur est assez, enfin la concession est assez pressée, je vais prendre le 720 qui est déjà prêt à faire feu. Et comme ça, on va décharger. On va juste prendre le matériel pour le décharger et on verra ce que ça dit. Je vais me mettre en face. Tac. Alors, ce que je vais faire, hop, je vais remonter dans le camion, je vais écarter alors, hop, là ça me paraît pas mal, hop, hop. Bon, comme ça je vais pouvoir bien monter dedans, hop, enlever le speed player et allez c'est parti. Donc encore une fois un grand merci à vous pour vos retours sur la série. Encore une fois le dernier live était juste énorme, on a bien avancé, on a vidé la stabulation des tourillons pour qu'elles soient prêtes à les raccueillir quand on sera prêt à faire feu. Donc hop. Donc vous l'avez vu, petit broyeur, donc Robert, qui fait je crois 4 mètres 2 de large. Donc voilà, c'est un beau broyeur. J'ai pris ce modèle là puisque je voulais un broyeur avec APAL. C'est vrai que je préfère un petit peu ces broyeurs là que les broyeurs à marteau, mais voilà. Après il y en a qui m'ont préféré les broyeurs à maïs pour intervenir dans les maïs, tout ça. Donc on ira faire bien sûr du broyage de canne de maïs, de tournesol et aussi de colza, mais voilà, je voulais un broyeur à axe horizontal. Allez, tac, ça c'est bon, hop, on va décler ça là, puisqu'on va le remettre après sur le 411 pour pouvoir aller attaquer le broyage des jachères. On va faire ça dans cet épisode, puisque bon, le temps n'a pas l'air de se gâter pour l'instant, ça a l'air de se maintenir plutôt bien, donc voilà. Et puis pour l'instant, dans les champs, j'ai rien d'autre à faire, je vous dis, la moisson va pas tarder à arriver, mais on n'en est pas encore là. Pour le moment, donc c'est pour ça que j'essaye de pallier. Alors normalement ça devrait monter, je l'avais fait comme ça tout à l'heure, voilà. Hop, impeccable. Pareil que tout à l'heure, on va atteler ça. Pareil, ça on viendra le chercher avec le petit Tagazoo. Ça sera lui qui s'occupera certainement de tout ça. Attention, on va descendre tout doucement. Hop là, pour pas non plus la plier dès le départ. Impeccable, donc une balayeuse qui va servir donc principalement à faire le nettoyage des cases avant les moissons, et surtout aussi faire le nettoyage du couloir d'alimentation des deux fermes. De temps en temps ça fera pas de mal. Donc ça c'est pareil, je vais essayer par contre d'aller la dételer dans un endroit propre. Peut-être que je vais la mettre à l'abri pour l'instant sous le hangar. Je reviendrai chercher je pense tout ça avec le petit tracteur, puisque ce sera vraiment lui qui sera attelé à ça. Pour l'instant je vais la laisser là, puisque de toute façon j'en aurai besoin principalement ici en début de campagne. Donc je vais la mettre ici pour le moment.
On testera tout ça, on la mettra en route ensemble et on verra ce que ça donne. Allez, donc le 720, ce que je vais faire, je vais le mettre devant le déchaumeur à 10, comme ça il va pas me gêner pour pouvoir repasser le 411 en roulage et puis aller préparer donc pour atteler le broyeur et aller commencer un petit peu les travaux de broyage déjà chers. J'espère les finir avant la fin mai, sinon on reprendra tout ça au mois d'août. Allez, donc c'est parti, on va fermer le hangar. Tac. Je vais pendant ce temps-là aller mettre le 411 en roulage. Et puis ce que je vais faire, je vais vous faire une petite coupure le temps que je passe le 411 en roulage. Et puis on se retrouvera tout de suite après pour aller attaquer le broyage de tout ça. Allez, lui, je le mets là, je descends du tagazou. Ouvrir la porte, bon, là c'est ouverte même. Et on est parti. Et ce que je vous propose les gars, c'est de vous faire une petite coupure le temps que je fasse le remontage des roues du 411 en roulage. Et on se retrouve tout de suite après. A few moments later. Allez les amis, donc on se retrouve là ici. Les roues sont montées, j'ai remis les masses de roues aussi. Comme ça je pourrais le remettre aussi sur le chargeur à la moisson, donc tout est bon. Là j'ai remis mon lèvre-roue ici, donc ça c'est bon, c'est nickel. Et ce qu'on va faire, on va remonter dedans, hop, et on va aller donc le tester bien sûr au broyeur. Donc normalement il devrait le faire largement. Ce que je vais faire pendant que je suis là, je vais lui faire le plein. Il va bientôt falloir qu'il passe en révision aussi, il arrive à bien à 20h. Donc pareil, on reprendra encore une fois 10% de la somme et on la paiera, et le reste on se le remboursera bien évidemment. Hop, allez, donc ça je vais remplir. Hop, je suis pas assez prêt je crois, puisque maintenant ça se fait manuellement. Hop, je vais me remettre un peu par ici, normalement ça devrait être mieux. Hop, normalement lui de toute façon il a pas besoin d'AliBlue, et c'est parti, ça se remplit tranquillement. On lui fait le plein. On va être prêt à aller broyer, comme ça il sera lui tout prêt pour la moisson. D'ailleurs la moisson qui va donc, comme je disais, pas tarder à arriver. Maintenant on est paré, maintenant qu'on a la machine il manque plus qu'à faire feu, j'ai envie de vous dire. Mais j'espère que les rendements, comme je l'ai déjà dit dans les vidéos auparavant, avec le petit tour de la plaine en ce dernier live mercredi dernier, on a terminé le live avec un petit tour de plaine. On a été voir un peu toutes les cultures, voir un petit peu comment le sol se comportait avec bien sûr le pH, si on avait fait les apports d'engrais comme il fallait, et voir un petit peu aussi l'état de salissement de la culture, de l'herbe, etc. Et tout était plutôt quand même prometteur. Donc on verra ce que ça donne une fois dans la machine. Après les maïs et les tournesols, de toute façon, ça demande encore à pousser, rien n'est gagné pour eux et rien n'est gagné non plus d'ailleurs pour tout ce qui va être moisson. Tant qu'on n'a pas tout mis dans la benne, on pourra pas savoir si c'est bon. Allez, donc ça c'est attelé, on va aller se mettre en route dans la parcelle de jachère. Alors l'ensemble les gars, je pense qu'on peut le valider aussi, parce que franchement c'est vraiment très 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 bien. Je vais quand même mis la masse parce que je pense qu'il aurait été un petit peu léger sur l'avant. Voilà. Hop. Allez, on est parti. On va se faire un peu de vue extérieure d'ailleurs. Hop. On va. Ah, j'aurais dû fermer ma porte avant de passer en vue extérieure. Ça aurait été mieux. Hop. Hop. On va mettre les gyrophares, repasser en vue extérieure. Et on est parti à la parcelle. Donc à la première parcelle de jachère. Qui est pas très loin, hein, mais faut y aller quand même. Donc on va s'y rendre. Donc le soleil est quand même, enfin le temps est quand même assez bizarre, hein. C'est un peu rouge, un peu gris par endroit, on sait pas trop ce que ça va donner. Ce que j'espère juste, c'est que ce qu'il y a en prévision, donc ils annoncent du soleil, c'est ce qui va arriver, qu'on va avoir un gros orage qui va grêler nos cultures et nous faire perdre du rendement. J'aimerais quand même arriver à faire cette première récolte de façon convenable, si je puis dire, et d'avoir un maximum de rendement pour pouvoir investir dans l'année prochaine dans soit de nouvelles parcelles, soit dans du matériel. Donc il y a pas mal de choses dans lesquelles j'ai envie d'investir. Donc cette première parcelle ici de jachère sur la droite, on va pas y toucher pour l'instant, on va aller déjà faire celle qui est éloignée,
et après on reviendra donc terminer celle-ci une fois qu'on aura fait l'autre parcelle. Donc il n'y a pas vraiment, enfin j'ai pas grand chose en jachère, mais faut les broyer, comme ça on est dans les clous au niveau de la réglementation et on va pouvoir bien sûr voilà faire un petit peu des nouveautés aussi qui sont peu vues sur farming. J'en vois pas beaucoup qui vont faire du broyage de jachère sur leur partie, mais ça fait partie aussi du travail. Allez, hop là, on arrive. Donc on va prendre le chemin ici, on va y aller tranquille aussi, on va pas casser déjà le broyeur dès le départ. Hop, en tous les cas, bon, j'espère que ça devrait plutôt bien se passer. Avant la moisson, j'aimerais aussi faire un petit peu du broyage de tour de champ pour au moins dégager les entrées et pouvoir rentrer dans la parcelle avec la machine sans trop de problèmes, pas écarter et couper un peu d'herbe et en mettre partout dans la parcelle. Je voudrais vraiment faire ça bien. Donc on va essayer de faire ça aussi avant d'attaquer la moisson. Donc voilà, je pense que la moisson de toute façon on attaquera soit en deuxième partie de juin, soit en troisième partie, mais peut-être plus vers la troisième partie. On va voir ce que ça donne. Allez, donc nous voilà à notre parcelle donc de jachère. Donc on va déplier le broyeur au vert. Donc très très beau broyeur. Franchement, bon, j'aurais voulu un broyeur de 6 mètres. J'ai pas eu, je le voulais semi-porté. J'ai pas pu avoir. Je me suis rabattu sur ce modèle qui est quand même plutôt pas bien et qui me permet en plus d'utiliser le 411. Puisqu'il faut 90 chevaux, le 411 en fait 110, donc 112 même de mémoire. Donc ça le fait largement. Et allez, donc c'est parti les gars. Début des broyages de jachère. Donc j'espère que il va l'emmener un peu mieux que ça. Alors j'ai l'impression qu'il peine un peu. On va voir ce que ça dit après. On va voir ce que ça dit. Mais ça poussière pas mal alors qu'il y a eu de l'eau. Ce que je vais faire, je vais quand même réduire un petit peu la poussière parce que là ça me paraît un peu énorme. Hop, normalement là ça devrait être mieux. Il faut pas oublier qu'il a plu, donc du coup normalement on n'est pas censé avoir autant de problématiques, mais il l'emmène pas plus vite que ça. Pourtant je suis pas fou, il faut 110 chevaux les gars, normalement il fait 110 chevaux, il en faut 80. Normalement il est censé, je pense, l'emmener un petit peu plus vite que ça. Je vais faire une petite coupure les gars, voir un petit peu ce que ça dit, parce que ça me paraît bizarre qu'il l'emmène plus vite que ça, et je vous reprends tout de suite après. A few moments later. Allez les gars, donc on est reparti. Donc il a l'air de l'emmener un peu à 6-7 km heure. Bon, on va voir en fonction. Je sais pas pourquoi il l'emmène pas plus vite. Normalement j'avais vu que la vitesse de travail c'était 12 km heure. Si déjà il l'emmène à 8 km heure, ça me va très bien aussi. Allez tac, on va broyer tout ça. Je vais faire le tour de la parcelle un petit peu. Je vais un petit peu broyer un petit peu les bords en même temps. Bon, ces parcelles là je sais pas ce que je vais y destiner dedans. Est-ce que je les relaisserai en jachère pour l'année prochaine, ou est-ce que je referai tourner la parcelle, remettre peut-être une culture de printemps dans ces parcelles et enlever des petites parcelles à droite et à gauche et les laisser en jachère. Par exemple la parcelle les deux parcelles où il y a le soja, peut-être les passer en jachère. Je crois que ça fera à peu près la même surface que celle que j'ai là, pour faire peut-être tourner et avoir des parcelles peut-être un peu plus faciles d'accès, voir comment je peux faire. Donc voilà, c'est surtout avec le pulvérisateur où en fait alors je me suis rendu compte que la parcelle à côté de la ferme elle était vraiment pas terrible, et peut-être voir pour cette parcelle là la repasser soit en herbe multi-espèce, soit peut-être y faire de la luzerne pour pas avoir d'intervention entre guillemets à y faire trop embêtante, des interventions comme le pulvérisateur par exemple, le désherbage, c'est un peu embêtant
c'était pas si simple que ça à aller dans la parcelle. J'ai mon pulvérisateur qui est trop grand, j'ai même pas 30 mètres pour la largeur, pour faire la largeur, donc du coup c'est vrai que c'est un peu pénalisant à ce niveau là, mais on verra comment on fait. En tous les cas, j'attends encore une fois vos retours sur la série, sur cette activité donc de broyage. Je vais mettre un point A. Je vais mettre quand même, on va broyer au GPS hein, les gars, on va pas s'embêter, on va se faire plaisir. On a du matériel qui est, on a un équipement pour, donc voilà, paye l'abonnement, donc autant le faire et s'en servir. Je vais essayer de broyer je vais essayer de refaire une passée de broyage. Hop, ici, comme ça au moins je serai tranquille. Hop. Avec là le 411, ça a l'air d'occuper un petit peu. Après il fait 4m20, donc je pense que pour 110 chevaux ça devrait le faire. Je m'étais dit ça, en plus c'est pour ça aussi un petit peu que j'avais pris ce modèle là, en me disant bon, il fait 110 chevaux, il va l'emmener, il en faut 90 pour le tirer. Peut-être qu'à l'avenir je mettrai peut-être le 612 dessus. Et puis le 411, on lui laisse faire des travaux un peu moins tirants. Et ben, ce que je vous propose les gars, c'est de vous faire un petit accéléré de ce broyage. Et puis on se retrouve avant d'aller attaquer la deuxième parcelle qui se trouve un peu plus haut au niveau du carrefour les gars. Allez les amis, donc on se reprend ici, on va aller direction donc la deuxième parcelle. Donc voilà, broyage pour cette parcelle terminée. Il va être bientôt midi en plus, bon, ça tombe bien, je pense que je vais finir tout ça tranquillement de mon côté. On va commencer à broyer l'autre parcelle ensemble. Donc voilà, petit épisode où il s'est passé grand chose au niveau travaux. Vous avez découvert un petit peu encore du matériel sur l'exploitation. Donc ça fait plaisir, hop, et j'espère que ça va vous plaire. Il y a encore pas mal de choses à faire sur cette série, comme je vous l'ai dit. En plus, on approche de la moisson à grands pas, donc voilà, on va mettre bientôt les ensembles, on va tout préparer les ensembles
pour justement commencer la moisson, atteler les tracteurs sur les remorques, préparer la machine, faire venir le concessionnaire pour qu'il nous fasse voir un petit peu comment ça fonctionne. Et puis bah après on fera feu dans les orges pour rentrer déjà cette culture, sécuriser cette culture et qu'on soit plutôt bien au niveau stockage. Donc voilà, j'ai pris aussi le choix d'en vendre une partie à la moisson. Voilà, j'ai vendu à peu près en orge 20 000 litres. Alors j'ai demandé à ce qu'on me dépose des conteneurs dans les parcelles pour déjà gagner un peu de temps et pas faire des allers-retours à la moisson trop souvent au niveau de la coopérative. Donc vous allez voir tout ça bientôt sur la chaîne. Donc l'arrivée donc bien sûr du matériel de moisson. Donc voilà, on attellera tout. Comme je vous ai dit, j'ai déjà vendu de la moisson, de la culture déjà d'orge pour être sécurisé un petit bénéfice. Voir aussi si ça peut nous faire nous permettre d'avoir un petit apport et du coup avoir bien sûr potentiellement le tracteur de démonstration, le 826. J'aimerais l'avoir pour cet été. On verra ce que ça dit. On va voir les propositions aussi que le commercial va nous faire. Mais j'espère vraiment pouvoir investir et que le tracteur ne nous passe pas sous le nez, puisque c'est le risque aussi. Parce que plus on attend, plus il y a de personnes aussi qui le testent et qui vont certainement vouloir l'acheter. Donc on verra tout ça. Hop. Allez, hop, bon, je vais faire pareil que tout à l'heure. Hop. Bon, je vais finir de broyer ça avec le 411, mais je pense que la prochaine fois, je prendrai le 612. Ça sera. Je pense qu'il l'emmènera un tout petit peu mieux et ça en gagnera un petit peu de temps. Malgré que, bon, bah là, vous voyez, dans la descente, il va l'emmener à 12 km/h. Par contre, dans les montées, il va certainement peiner un peu plus. On verra, pourtant, comme je vous ai dit, le broyeur demande à peu près 90 chevaux. Normalement, je devais être large avec le 411, mais c'est vrai que le 411, en fait, sur la ferme, c'est un 4 cylindres. Il est vite, vite à genoux par rapport aux outils que j'ai. Pourtant, j'avais fait le choix d'avoir pas non plus des gros outils, mais c'est vrai qu'il se retrouve vite, vite à bout. Mais j'ai bien envie hein, quand même de le garder, ce tracteur, parce que je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est, il est super bien, il est super maniable au chargeur. Je me fais plaisir avec. Donc voilà, je lui trouve encore plus d'avantages que d'inconvénients. Donc pour l'instant, il n'est pas prêt de quitter la ferme. Hop. Allez, on va refaire le passage de GPS. Ici ça va donner, ouais, la parcelle est un peu en pointe, donc ça va être pour ça. Bon, normalement il va l'emmener, bon, 4 km/h, 5 km/h, on va voir ce que ça donne. Il n'y a pas grand non plus à broyer, donc ça va le faire. Ça lui met un peu d'heure, mais ça va le faire. Je crois que c'est, bah, c'est lui le 720 qui ont le plus d'heure sur la ferme. Finalement le 612 en a, je crois qu'il a une quinzaine d'heures aussi, donc ils suivent tous à peu près. Mais voilà, c'est vraiment les tracteurs que je me sers le plus, c'est le 400 et le 720. Le 720, faut vraiment qu'on le soulage, parce que sinon je vais perdre mon tracteur de tête avec tous les travaux que je lui fais faire. Donc c'est pour ça que voilà, je voudrais un quatrième tracteur de forte puissance, et après on verra comment on la joue sur la ferme pour le renouvellement de matériel. Est-ce qu'on en prendrait un supplémentaire? Est-ce qu'on attend de voir si on reprend une exploitation, si on reprend des terres, etc. pour peut-être laisser ce tracteur-là vraiment sur le site secondaire d'engraissement et passer voilà, avec un autre tracteur un peu plus polyvalent, ramener un tracteur un peu plus polyvalent, mais assez, je dirais un 4 cylindres, je vois un 4 cylindres. C'est vrai que comme on en avait déjà parlé aussi dans le live de mercredi, la série des 600 qui est sortie, ça m'aurait bien botté. Donc on verra si y a un mode. Et sinon, bah, peut-être qu'on s'orientera pour un 500, mais un peu plus tard. Il va falloir vraiment qu'on arrive à se faire
un petit pécule de côté. Voilà, on a toujours l'emprunt qui se rembourse automatiquement tous les mois. On va bientôt avoir remboursé un an quand on aura atteint, je crois, le mois de septembre, je crois que c'était ça. Le mois de septembre, peut-être le mois d'octobre, je sais plus. Vers la fin de l'année, ça c'est sûr, on aura déjà un an de remboursé, donc il nous restera encore une année. Et après, on sera un peu plus souple sur les finances. On n'aura plus cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et peut-être on pourra voir pour investir un peu plus dans du matériel important. On verra tout ça au fur et à mesure de la série. On va voir comment la série se tourne aussi, hein, puisque il y a aussi l'impact économique en fonction de comment on va vendre nos cultures, les rendements que l'on va faire. Donc il y a tout ça aussi qui est en jeu. Donc on verra ce que ça dit. Allez, et ben moi ce que je vous propose, les gars, c'est de continuer un petit peu tout ça de mon côté tranquillement. De vous laisser sur début de broyage et puis de vous dire à mercredi, mercredi ou mardi en fonction, je vous tiendrai au courant sur Instagram, mais de vous laisser un petit peu là-dessus. Moi je vais avancer ça de mon côté, je vais avoir le temps de finir de broyer. Là il est midi, donc j'ai largement le temps de finir de broyer mes jachères, comme ça déjà ça sera broyé en temps et en heure, et puis de vous retrouver pour continuer tous les travaux sur la série et continuer à avancer, discuter avec vous et de faire évoluer au mieux cette série. Hop, parce que je vais faire un peu comme ça. Hop, c'est pas vraiment ça que je voulais faire. Je vais continuer à détourer tout ça tranquillement. Et puis, je vous laisse sur ces belles vues du 411 et du nouveau broyeur. Allez, ciao les gars! Thank you.